te rends compte, hein, les artistes, hein, c'est drogue et prostitution. Ouais, hein, ouais. Alors bon, c'est vrai, hein, tout ça. Bon. Ça. Donc l'idée, c'est de faire un cabaret ici. Le premier cabaret à la ferme de France. J'ai cherché, il n'y en a pas d'autres. Ah, faut peut-être se demander pourquoi. Polyfermière, nous racontons l'histoire de David Comet, qui, pour sauver sa ferme de la faillite, décide de la transformer en cabaret. Bonnie, c'est une fille des villes. Oui. Évidemment, c'est un personnage qui arrive avec ses a priori, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, on pourrait penser qu'elle arrive et qu'elle les méprise, elle, qu'elle pense que c'est des bouseux. Je pense que Bonnie, finalement, elle a plus peur du regard qu'on va poser sur elle. Elle a plus peur d'être méprisée de l'autre, par David et par les autres. C'est vraiment un film contre les a priori. Hein. Oui. Les a priori qu'ont les paysans sur les artistes. Toute la famille de David Comet lui disait, mais tu te rends compte, hein, les artistes, hein, c'est drogue et prostitution. Ouais, hein, ouais. Voilà. Alors bon, c'est vrai, hein, tout ça. Oui, ça. Mais non, il faut surmonter les a priori. Et les artistes, les paysans, c'est des bouseux, quoi, qui connaissent rien à l'art. Donc le film raconte ça, quoi. Hein. J'ai même beaucoup écouté David Comet, hein, et beaucoup rencontré d'agriculteurs quand on cherchait la ferme. Et pour que le film soit le plus authentique possible. Mmh. C'est un vrai film, les pieds dans la boue. Ouais, c'est le cas de le dire. Ou les talons de 12 dans la boue. Ah, David, voilà. Et puis je suis fier de toi. Ah, m'engueule pas. Mais je t'engueule pas, je te dis ce que je pense. Est-ce que vous êtes chaud?